Je me rends bien compte que notre société est en train de vivre de profonds et rapides bouleversements. Le métier que j'ai choisi, la viticulture, n'échappe pas à ces phénomènes. Les changements sont nombreux, j'ai relevé deux faits qui m'ont marqué. L'énergie se raréfie et devient très chère. Cela entraîne des difficultés économiques et même techniques graves. Par exemple, en ce moment, les vignerons manquent de contenants pour mettre leur vin en bouteille. Les fours demandent tellement d'énergie que les fabricants ne les font plus tourner tous les jours. Les vignerons s'adaptent et s'entraident, mais il va sûrement falloir trouver des solutions pour le long terme. Une autre évolution est la prise en compte plus grande de l'environnement dans les pratiques de production. La diminution de l'utilisation des produits implique plus de proximité avec le végétal. Pour mieux assurer son équilibre, en adaptant aussi sa production à sa vigueur, tout cela nécessite beaucoup d'observation et d'anticipation. C'est une autre façon de travailler. On évite aussi aujourd'hui l'usage des herbicides qui polluent l'eau. Elle aussi devenue plus rare. On peut travailler le sol, maîtriser les adventices, mais cela fait intervenir des outils qui sont aussi consommateurs d'énergie. Au lycée, nous avons réfléchi à un autre moyen et mis en place de l'éco-pâturage. Des brebis passent 6 mois de l'année dans les vignes de l'exploitation. Ça met de la vie dans les parcelles pendant que la vigne est en sommeil. Olivier Goujon s'est intéressé à cette démarche. C'est pour cela que j'ai réalisé ce travail de communication avec lui. L'évolution en viticulture aujourd'hui est quotidienne, car il faut faire vite. Réfléchir à s'adapter sans forcément compter sur des nouvelles machines, sur de nouveaux produits, mais plutôt imaginer des réponses avec ce qui est disponible et en utilisant les ressources du vivant. C'est difficile, mais c'est aussi ce qui fait que la viticulture reste un métier aussi passionnant.